Meghan Markle et Kate Middleton ont toutes les deux épousé un prince. Les deux royales ne se comparent en aucun point. La duchesse de Sussex explique comment elle se voit comme une princesse du pouvoir et Kate Middleton comme une cendrillon. Meghan Markle savait dans quoi elle allait s'engager en entrant dans la famille royale britannique. Deux ans après y avoir enduré moult pressions, la duchesse de Sussex en sort en entraînant le prince Harry dans le cadre du Meghoi en 2020. Des années avant sa rencontre avec le prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, l'ancienne actrice avait déjà révélé quel genre de princesse elle est. Meghan Markle, 41 ans, se voyait comme une princesse du pouvoir et une rebelle royale. Notons que Meghan Markle a couru après les castings pour trouver le rôle de sa vie, rappelle le magazine Gala. Celle qui deviendra la duchesse de Sussex a fini par décrocher un rôle clé dans la série Suits. Rappelons qu'à l'époque, Meghan Markle tenait également un blog lifestyle, The King. Si est dans une page de son blog que la maman de Archie et de Lilibet a commenté le mariage de Kate Middleton et du prince William, en 2011. Le mariage des Cambridge a eu lieu le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, rappelle l'article du Gala du 15 février 2023. Sur son blog, la duchesse de Sussex a livré sa façon de penser en ce qui concerne la fascination provoquée par la princesse Kate Middleton, duchesse de Cambridge. Meghan Markle, la duchesse de Sussex se voyait comme une princesse rebelle. Meghan Markle a déclaré, « Les petites filles rêvent d'être des princesses. » La duchesse de Sussex, elle aussi, rêvait d'être princesse. Une princesse sortie tout droit d'un dessin animé des années 80, Shira, l'inspire particulièrement. Pour ma part, je n'étais que Shira, la princesse du pouvoir. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la référence au dessin animé des années 80, Shira est la sœur jumelle de Iman et une rebelle royale maniant l'épée, connue pour sa force, a expliqué l'épouse du prince Harry. Nous ne parlons certainement pas de Cendrillon ici, a résumé Meghan Markle en faisant référence à Kate Middleton,